Bonjour à tous, ça semble bien parti pour Hervé. C'est son quatrième match aujourd'hui, on l'accueille. Bonjour Hervé. Bonjour. Je sais que vous y allez étape par étape, bien entendu, Hervé, mais cela dit, déjà 3 victoires à votre palmarès et ce quatrième match à venir. Et le montant de votre cagnotte, vous êtes à 950 euros. Blandine a été extrêmement impressionnée sur la diamantine que vous connaissiez. Voilà. Et nous aussi, hein, parce que ça nous a échappé, Stéphane et moi, la diamantine. Ouais, ouais. Pas grave. Tissu, les étoffes, c'était la liste à thème. Ça a rapporté 50 euros par mot que vous avez pu trouver. Bon, il ne tient qu'à vous maintenant de remporter le sésame. On va voir ce que ça va donner dans quelques instants. En attendant, c'est une candidate qui nous a rejoint pour ce nouveau match. On accueille Lucienne, s'il vous plaît. Bonjour, Lucienne. Bonjour. Je vous appelle Madame la Présidente. Si vous voulez. Présidente du club de Lyon. De Lyon, oui. Bah oui, c'est ça. Joli club. Oui. Et puis, quelque part, vous avez un peu votre ronde serviette ici. Oui. Hein, vous passez chez nous régulièrement. Ça fait quoi? C'est la troisième, quatrième fois? Quatrième fois. C'est une seconde chance qu'on vous offre. Ah, parce que vous aviez bien joué, même si ça n'a pas forcément été couronné de succès. Ouais. Coiffure dans la famille, de père en fils. Quatrième génération. Oui. Vous avez arrêté vos activités aujourd'hui? Oh, pas vraiment, parce que je m'occupe toujours, comme je suis meilleur ouvrier de France. Ouais. Et je m'occupe de la formation aussi des meilleurs ouvriers de France. Et donc au mois d'avril, on emmène des candidats. Non. J'ai un petit service à vous demander, oui. Lucienne. Si, Stéphane. Que pensez-vous, Lucienne, des mèches romaines, Nathalie, Laurent est-ce qu'on pourrait avoir un gros plan sur Stéphane? Sa coupe du jour. Oh, ça va se payer très très cher. Stéphane a une coupe de cheveux, on pourrait l'appeler Chantal, un peu, là. Non, oh là là. Il a pris cher. Un sésame pour ouvrir cette partie, s'il vous plaît, Lucienne. Allez, on va écouter. Pour joigner le buzzer, Hervé aussi. La définition du mot à trouver, la voici. Lèvres pendantes de certains animaux. Hervé. Babines. Les babines, oui. Le sésame, c'est pour vous. Donc, vous aurez le choix si vous remportez cette partie, si vous jouez les mots de la fin, bien entendu. Voici la première manche. Lucienne, vous avez la parole pour commencer. Combien de voyelles? 5 voyelles. Tirage. V-E-A-L-E-F-L-E-C-E-O. Ça donne quoi, Lucienne? 7. 7 pour vous, Hervé? Un petit 6. En 7, Lucienne? Fauvéal, oui, pas de souci, ça passe. Est-ce que vous auriez un mot supplémentaire? J'ai pas cherché. Non, je pourrais avoir après une explication sur Fauvéal? Oui, tout à fait, c'est possible. Le seul à la réclamer, suite, mais si je pense vous pas. Ouais. Dites-moi. Alors, Lucienne sait peut-être, non? Fauvéal, vous savez ce que c'est? Non. D'accord. Parce que on est deux déjà. Oui, alors la tablette voudra bien me répondre, est-ce qu'en attendant, je peux vous proposer les autres mots? Oui, s'il vous plaît, allez-y. On avait alvéolé au féminin, clavelé, cette variole du mouton, et lovelace, un don juan. Lovelace, parce que c'est de l'anglais. Oui, mais en français, on peut le prononcer à la française. Oui, c'est votre choix. Ils vont s'attraper par les cheveux tous les deux. Alors, Fauvéal? On en parle après? Alors, vient de fovea, qui est une dépression médiane de la tache jaune au centre de la rétine. Donc, c'est l'adjectif qui se rapporte à cette dépression. Très bien. Ça fait avancer le schmilblick. Non, on voit ce que c'est. Voici les chiffres. 10, 7, 1, 9, 7 et 5 pour 689.
Lucienne. 691. Et vous, Hervé. 688. Oui, c'est le 688 ouais. d'Hervé qui l'emporte. Allez-y. Alors, 9 fois 7, 63. 63 plus 5, 68. 68 fois 10, 681. Plus 7, 687, plus 1. 688. Ouais. Vous pouvez l'atteindre ou pas, oui, Stéphane? Oui. On pouvait, il paraissait plus simple qu'il ne l'était, mais là aussi, il fallait connaître cette divisibilité par 13. 53 fois 13, donc 9 fois 7, 63. 63 moins 10, 53. 7 plus 5, 12. 12 plus 1, 13. Et 13 par 53, 689. C'est joli, ça. Bon, vous en tirez bien, Hervé. Oui. Compte approchant, ce sera un tarif à 7 points pour vous. Hervé, on vous écoute maintenant pour les lettres. Trois voyelles, s'il vous plaît. S, E, E, M, V, N, V, R, F et O. Hervé. 7 lettres. Lucienne. 7. Le 7 d'Hervé. Formé. Ouais. Moi aussi. Vous aussi, ouais. On était beaucoup nombreux à le voir. On avait pas mal de 7 lettres. Hein. Aussi, Morène, Morné, la névrose. Voilà. Monéré. Monère. C'est quoi, Monère? C'est Monère. C'est Monère, ouais. Allez. Et puis énorme. Voilà, beaucoup plus à notre portée. On va rester sur les propositions. Propositions identiques. Pour Lucienne et Hervé, et les chiffres qui arrivent. 5, 1, 5, 8, 9 et 6 pour faire 268. Égalité pour le moment entre Lucienne et Hervé, parce que ça va durer. Hervé, votre résultat, s'il vous plaît. 269. À un près, Lucienne. Mais j'ai pas fini. Vous êtes plus loin ? Ouais, bah oui, mais j'ai pas fini. À un près, alors on y va, Hervé. Alors 5 fois 8, 40. 40 plus 5, 45. 45 fois 6, 270. Moins 1, 269. Ouais, là aussi. Eh oui. Ce sera que 7 points, parce qu'il y était. Il était à votre portée à tous les deux. Ouais. Vous êtes dur, Stéphane. Ouais. Oh non, vous allez voir. Vrai, hein. Oui. 9 fois 6, 54. 54 fois 5, 270. Après, il faut faire le 2. Mmh. 8 moins 5, 3. 3 moins 1, 2. 270, ouais. Moins 2. Lucienne, vous préférez les lettres. Hein. Et clairement. Ben non. 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 Ben non. Bon. Non, non. Quand vous pensez quelque chose, il faut dire que c'est l'inverse. C'est l'inverse, d'accord. Alors, j'ai retrouvé la monère. Oui. Alors, c'est un mélange de bactéries et de fragments d'amibes. On ne l'emploie pas tous les matins, quand même. Hein. Non, et c'est tant mieux, finalement. Bon, ce coup de chiffre marque une différence. Est-ce le tournant du match? Peut-être pas, parce qu'il reste encore de nombreux coups à jouer, mais en tout cas, ça permet à Hervé de passer en tête là maintenant, avec un score de 21 à 14. Comment ça va, Lucienne? Ça va. Ça va, bon, ça va, oui. Bien dans le match, mais c'est vrai qu'il était difficile, ce compte. On y va maintenant avec le mot le plus long. Lucienne, on vous écoute, s'il vous plaît. Cinq voyelles. O, I, I. D, E, S, C, A, F et S. Lucienne. 7. Et vous, Hervé? Et 6. Ouais, alors en 7, Lucienne. Faciès. Très bien, le faciès. Ah, oui. Un mot supplémentaire, peut-être. Associé.
Associé ? Oui. Oui, très bien. Ça marche aussi. Deux points de bonus. Faciès, c'est SC. Hein. C'est faciès. C'est faciès, oui, c'est l'adjectif. Oui, oui faciès, pas faciès. Pardon. Oui, faciès, ce serait un C sinon. C'est ça. Oui. Et là, c'est SC. Ouais. C'est bien sûr, SC. Pour avoir les sept lettres. D'accord. Bah, elle dit faciès. Oui. C'est pas grave. C'est ce qui est écrit qui compte. Comme, c'est voilà, c'est l'orthographe qui prime là. D'accord. On lui accorde sans problème. On avait les huit lettres. Oui. Voilà. On avait acidose, donc trouble de l'équilibre entre les acides, et aussi acidie. Alors, c'est un animal marin en forme d'outre qui se fixe habituellement par des prolongements aux objets environnants. Voilà. Écoutez, ne m'en demandez pas plus. C'est assez complexe. Mais on ne vous en demande pas plus. Un petit dessin. Hein, s'il vous plaît, oui, un petit croquis. Bon, allez, du côté des candidats. Lucienne, c'est un joli coup, puisque ça vous permet d'inscrire les points toute seule. Et donc là, vous reprenez la tête. Il y a deux points seulement de différence entre vous deux. Voici le compte est bon maintenant. 5, 6, 1, 1, 4 et 8 pour faire 380. Bonne nouvelle, Lucienne ? Oui, le compte est bon. Hervé ? Également. Allez-y, Lucienne. Alors, 8 fois 5, 40. 1 plus 1, 2. 40 moins 2, 38. 6 et 4, 10. 10 fois 3, 10 fois 38. Oui, tout s'articulait parfaitement. Pas de problème. Allez, les 10 points supplémentaires. L'écart se maintient. Et les lettres qui arrivent. C'est Hervé qui va décider maintenant. 4 voyelles, s'il vous plaît. E, S, C, A, F, H, E, L, C et E. Effacé. Ce vous arrive, Lucienne. Moi, je sais, il manquait un F. Vous avez effacé. Oui, oui, je m'en suis partie avec esclaffé, mais il manquait un F. Et je m'en suis aperçue. J'ai effacé ouais. Et pour remarquer fâché, j'ai. C'est bon, vous avez fini de discuter toutes les deux. Non, mais je compatis, c'est pas facile. On va rester entre garçons. Ah ben, je vais dire 8 lettres. 8 lettres. Bon, quel mot? Calèche. Calèche, des calèches, joli mot, oui, pas de souci. Hervé, calèche. On avait deux. Un autre 8 lettres, peut-être. Ouais. Un autre non, il y a une erreur de la part de notre ouais, bon, candidat. Je ne sais pas, moi je le demanderai peut-être quand même. Oui. Allô Non. Bon, bon, bon. Allez, on n'avait que trois huilettes et cachées, donc déformées en pressant et fléchées. Merci fléché. Beaucoup et bravo à Hervé pour ce mot de huilettes. Calèche. À cheval. Allez, vous reprenez le contrôle de cette première manche avec 6 points d'avance pour le moment pour Hervé. On passe aux chiffres tout de suite. 9, 8, 6, 100, 7 et 1 pour faire 201. Je sais, le suspense est insoutenable. Dites-nous vite, Hervé. Le compte est bon. Lucienne. Le compte est bon. Allez-y, Hervé. 8 moins 6, 2. 2 fois 100, 200. Et 200 plus 1, 201. Pas mal, ça repose un peu comme oui. Ça. Oui. Hein, un petit compte détente. Et les 10 points qui vont avec. Toujours le même écart entre Lucienne et Hervé. Il reste deux coups encore à jouer.
C'est donc Lucienne, maintenant, qui va choisir le nombre de voyelles, s'il vous plaît. 5. U, U, O, D, G, R, G, U, O et D. Lucienne. 6. Combien pour Hervé ? 6 également. Quelle 6 lettres, s'il vous plaît, Lucienne ? Doudou. Oh. Oh, on a toujours besoin d'un petit doudou. Mais oui. Et d'un gourou. Et un peu moins, peut-être. Ça dépend. Et d'un gourou. Un oui, gourou. De toute façon, on n'avait pas mieux que 6 lettres. Hein. On avait aussi goudou et la langourdou. Lourdou, bien sûr. Lindy. D'accord. Très bien. Mais c'est vrai qu'on se disait, CO et CU ouais. uniquement, on n'allait que dans cette direction. Ah, ouais. Vous en tirez bien, Lucienne et Hervé. Les points supplémentaires ? Et pour terminer cette première manche, voici un coup de chiffre. 8, 1, 7, ça comme si c'était ma tournée. 6, 50 et 2 pour 432. Bonne nouvelle, Lucienne ? Le compte est bon. Ouais. Et Hervé ? Également. Allez-y, Lucienne. 6 moins 2, 4. 50 plus 4, 54. Et 54 fois 8. Oui. Solutions différentes. Pas de souci. 6, c'est le nombre de points qu'il y a entre vous deux. C'est Hervé qui mène à la fin de cette première manche avec un score de 65 à 59 pour le moment. J'aimerais vous parler, vous donner les coordonnées pour vous inscrire aux sélections, puisque nos équipes sillonnent, parcourent la France tout au long de l'année. Donc rejoignez-les et renseignez-vous donc sur les lieux, les jours de sélection sur la plateforme France TV et vous, n'hésitez pas à vous y rendre ou encore nous envoyer un petit message par courriel, chiffres et lettres @francetv.fr pour passer ces sélections et nous rejoindre ici et être candidate, candidat bien sûr. Voici la deuxième manche. Les duels, vous êtes entraînée particulièrement, Lucienne, au duel ? En regardant l'émission, simplement ? Oui. En club, on dispute les duels ? De temps en temps, il y en a qui amènent des duels, mais rarement. Ouais. Rarement, ouais. Bon. Voyons ce que ça va donner tout de suite. Main sur le buzzer, bien entendu, pour Lucienne et Hervé, avec une première proposition. Nous allons partir sur un duel d'orthographe. Blandine. Oui, c'est Françoise Hélin de Tournai en Belgique qui le propose. Je vous demande d'épeler le mot suivant. Batiscaf. Hervé. B-A-T-H-Y-S-C-A-P-E. Ah non. Comment ? Batiscaf. P-H-E. Vous avez dit P-E. Vous avez oublié le H. Oui, vous avez oublié le H. Batiscaf. En fait, vous avez dit Batiscaf, mais sans le H. Alors attendez, Hervé, sincèrement. Souvent, on dit aux gens, il faut accélérer un petit peu quand même. Mais là, vous le dites, vous l'épelez à oui, une vous... vitesse. Oui, je sais pas. C'est une erreur de votre part, vraiment. Je le constate, je vais trop vite. C'est dommage. Je pensais avoir dit le H, mais bon. Est-ce que vous le saviez ? Comme là, je vais arriver. Ah, c'est dommage. Oui, parce qu'il connaissait tout de suite, il y a pensé. Ce petit appareil, vous savez, destiné à conduire des observateurs dans les grandes profondeurs sous-marines. Un petit appareil, c'est... Par rapport ça à un sous-marin, salon, c'est hein. un petit appareil. Ah bah ouais. Non, c'est costaud quand même. Ouais, c'est habitable et donc ça flotte, évidemment, selon le principe d'Archimède. C'est un professeur français qui l'a inventé en 1948, le professeur Picard. Donc pourquoi il y a ce H ? Parce que ça vient du grec ancien, batus, profond, et scaphé, la barque en grec. Et avant, il y avait un nom qui c'était thalassosphère. Alors c'est vrai que thalassosphère, je ne sais pas vous, mais on ne pense pas forcément à un engin, alors que le batiscaf, on y croit plus. Il a bien fait de changer. Alors, le fameux professeur Picard dont vous parlez, c'est l'aïeul de Bertrand Picard, l'explorateur, qui a inspiré... C'est montgolfière. Oui. Son ballon dirigeable, ça. Bien sûr. Et qui a inspiré le professeur Tournesol. Absolument. Voilà.
Je vous en prie. Je vous sens sans voix, là. Résultat, une erreur. Quand il a épelé Baptiste Caff du côté d'Hervé, le règlement, il est là. Les 10 points pour Lucienne, qui est en tête, là, maintenant. 69 à 65. Un deuxième duel, Blandine, un l'un dans l'autre, cette fois-ci. S'il vous plaît. C'est Christian Forli de Marseille qui vous le propose. On cherche un révolutionnaire argentin et radin. E, U, H, C, E, G, R, A, A et V. Oui, Hervé. Che Guevara et Avar. Ouais. Bravo. Heureusement, parce que vous êtes parti vite, je me suis dit, attention, peut-être trop. Là, je suis calmé après. Vous êtes calmé. Oui, alors on va peut-être commencer par le Che, bien sûr. Alors, il faut savoir qu'il est né dans une famille plutôt aisée, hein, en 1928, en Argentine. Et ce n'est qu'à 28 ans, après avoir voyagé dans toute l'Amérique latine, qu'Ernesto Rafael Guevara de la Serna, de son vrai nom, rejoint Cuba pour renverser la dictature de Batista. Alors, pourquoi le Che? Parce qu'en Argentine, principalement, Che est une sorte d'interjection utilisée pour interpeller autrui, peut-être un peu comme toi. Et donc, ses amis l'appelaient tellement comme ça, Che, Che, que c'est devenu son surnom. Alors, ce n'est pas forcément le personnage sympathique que l'on veut bien montrer voilà, pour les jeunes. Hein. C'était quand même quelqu'un qui a créé des camps de travail et de rééducation. Il a même un surnom de Carnicerito, petit boucher, par rapport à son passage à la Cabaña, cette prison. Ah oui, il a mis en place un tribunal révolutionnaire à l'origine de centaines d'exécutions. Il a même dit, nous avons fusillé, nous fusillons, nous continuerons à fusiller autant qu'il le faudra. Il n'était quand même pas très sympathique. Et c'est qu'en 67, pardon, dans la jungle bolivienne, qu'il sera arrêté puis exécuté. Et voilà. Avare, bon, on pense à Molière, moi je pense à Géronte, hein, avec que la peste soit de l'avarice et des avaricieux. Je pense que ça vous est venu très rapidement à tous les deux. Ouais. Mais pour revenir sur le Che, il y a aussi ce physique, ce regard, ces attitudes, tout ça a dû contribuer aussi à la... Ça fait partie effectivement de la publicité... De la légende. Ouais, de la légende. Ouais. Merci beaucoup et merci à Christian de nous avoir proposé ce duel. Le troisième duel, il est à 10 points, celui-ci. Le score, vous le voyez, il y a toujours ces 6 points de différence. Match très serré entre Hervé et Lucienne. Un double sens à 10 points, s'il vous plaît, Stéphane. Oui, imaginé par Jacqueline Gébus de Dijon, qui vous demande de trouver, avec le premier sens, l'enveloppe protectrice et le second sens, la faute. On est un peu déçu. La coquille. La coquille. La coquille. Non, ça ne vous a pas inspiré du tout. Vous ne connaissez pas de risque, hein, si, mais j'arrivais plus à... Ah oui, à voir, oui, c'est ça. Ouais. Alors, le premier sens, l'enveloppe protectrice, bah, c'est par exemple la coquille de l'escargot. On a aussi la coquille de l'œuf, on y pense moins. Mais est-ce que vous saviez que c'était un abrasif et un répulsif naturel? Ah bon? On met de la coquille d'œuf dans le jardin et ça fait... Ça éloigne quoi? Les limaces? Les limaces, les escargots. Les limaces, exactement. Et puis la coquille d'œuf, on peut aussi l'utiliser pour récurer la vaisselle, aussi en complément alimentaire ou pour soigner des petites blessures, voilà, réduit en poudre. Et puis alors le deuxième sens, bah, c'est bien sûr l'erreur typographique qui s'est glissée dans un texte. Alors plusieurs explications pour tracer l'origine de la coquille. Celle-ci me plaît beaucoup. Moi, c'est à la suite d'une délibération à l'Assemblée nationale sur le calibrage des œufs. Le journal officiel aurait diffusé un texte avec une erreur d'impression et le mot coquille s'est retrouvé avec une lettre en moins. Et la lettre qui manquait, c'était le Q. Donc je vous laisse imaginer ce que ça donnait. Et donc, c'était dans le potage, dans ces cas-là. Oui, c'est ça. Ah, voilà, on peut dire exactement. Ça. Exactement. D'accord. Et donc, c'est une explication. Moi, je la prends, cette explication. Voilà. Elle est pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez, Hervé? Elle est trop jolie. Excellente. Vous la connaissez. En faites pas trop non plus. Brillantissime. La coquille, c'était la réponse sur ce troisième duel, sur ce double sens. Silence radio du côté de Lucienne et d'Hervé. Toujours ces 6 points de différence. 20 points à prendre tout de suite. Il est décisif. Ce quatrième et dernier duel, à la clé aussi ce cadeau. Le Robert vous offre son célèbre dictionnaire Le Petit Robert. Et une collection de livres sur les mots et expressions de notre belle langue. Vous êtes prêts, Lucienne? Hervé? Prêt. C'est un duel de chiffres, c'est un sprint de chiffres précisément. Stéphane. Allez, on joue avec le tirage suivant. 6, 50, 5, 5, 4 et 1 pour faire 854.
Lucienne. 5 fois 5, 25. Alors, 25 moins 6, 19. 19 fois 50, 850. 19 fois 50, ça fait 950. Oh, mince. Lucienne. C'était 17 fois 50 voilà. Qu'il fallait 5, faire. 10, 10. Ah, il y a une coquille. Oui, ouais, dans le potage. Dans le potage. Bon, ah, désolé, on va reprendre Stéphane. Oui, mais c'était en fait, elle avait la bonne inspiration. On va tout effacer, mais il fallait faire 17 et 17, non 19. Ouais. Ouais. Donc 5 plus 5, plus 6 plus 5, plus 10, 6, ouais. Plus le 1, et 17 fois 50, et il nous reste le 4. 4. Le 4. Ah, c'est dommage, cette erreur. Ouais. Bon, cela dit, c'est le jeu. Il y a eu cette tentative avec cette erreur qui s'est glissée. C'était un quatrième duel à 20 points, vous le savez, et donc ces 20 points basculent. Du côté d'Hervé qui remporte une quatrième victoire. Bravo Hervé. Merci. Vous savez quoi, Lucienne ? Bah, faudra revenir. Il n'y a pas le choix là. Il n'y a pas le choix. Vous avez mal joué, c'est ça, vous dites ? Oui, oui. Ah bon ? Ah oui. Bon, écoutez, c'est vous qui jugez. On est heureux de vous accueillir une nouvelle fois. Ça arrive, même moi, ça me fait plaisir de revenir à chaque fois. Ça nous a permis de parler du club de Lyon également. Oui. On a parlé cheveux, mais on aurait pu parler cuisine aussi avec vous et de vos recettes. On vous offre tout d'abord ce cadeau. Ordissimo, la référence française de l'informatique facile, vous offre son Ordissimo 13 pouces. Pour voir vos proches et admirer leurs dessins en toute simplicité. Spartoo.com a le plaisir de vous offrir un bon d'achat de 240 euros. Faites votre choix parmi une large sélection de chaussures, sacs et vêtements. Il y a une petite idée qui germe, Lucienne. Ah, oui. C'est de se dire, est-ce qu'on ne pourrait pas faire un tournoi entre présidents de club ? Ah oui, pourquoi pas. Hein ? Oui. Le tournoi des présidents ? On y réfléchit, on vous tient au courant, vous seriez partante. Oh bah absolument, absolument. Bon, voilà, ça sera l'occasion de revenir une cinquième ou une sixième fois peut-être. C'est merci pas grave. En tout cas, bon merci retour, beaucoup, oui. Bon retour chez vous dans le Rhône, oui. Corbas. Corbas, c'est voilà. Juste à côté de Lyon. Merci beaucoup, Lucienne. Bon, voilà, cette nouvelle étape est franchie, Hervé. J'en suis ravi. Hein, voilà. Il y a eu quelques petites erreurs aujourd'hui. Ouais, la bonne nouvelle tout de même en cette fin d'émission, bien entendu, c'est cette quatrième victoire. C'est aussi que vous allez jouer les mots de la fin avec le sésame et vous aurez le choix dans quelques instants. D'accord. On en reparle dans quelques secondes. On en recouse. Bah, allez, à tout de suite. Les vacances. Un croissant, portefeuille. Le déjeuner pour tous, portefeuille. Et des vacances avec Costa. Costa, believe your eyes. Un, et un. Extra, efficace. Rien ne résiste, impeccable. Résultat fantastique. Magique, épique, toujours opérationnel. Silit, bang, exceptionnel. Silly bang. Silly bang. Efficace. Fantastique. Silly bang. Exceptionnel. Silly bang. Raideur. Décontractant musculaire. Crampes. Décontractant musculaire. Douleur musculaire. Décontractant musculaire. Le gel antidouleur décontractant musculaire est un dispositif médical. Le laboratoire des Gragnons. Expert en oligo-éléments et santé naturelle. Depuis 1948. Sur une table, il y a des choses que l'on ne veut pas voir. Un verre tout terne, par exemple. Lavage après lavage, vos verres peuvent se couvrir d'un voile blanc. C'est la corrosion et c'est irréversible. Pour les protéger, Finish Protector. Cette technologie brevetée, c'est la solution pour garder des verres brillants. Et comme neuf, pour longtemps. Finish Protector. Et si votre lave-vaisselle est sale et sans mauvais, utilisez Finish Nettoyant Machine Intégrale. Sa formule unique élimine la graisse et les dépôts de calcaire pour une machine propre et saine. Finish Nettoyant Machine Intégrale. Quand mes jambes ont commencé à me faire vraiment souffrir, mais beaucoup, des douleurs, j'avais du mal à marcher. Avec Revitive, j'ai tout réglé. Incroyable. Ça paraît un peu miraculeux, mais c'est vrai. Revitive Medic est un dispositif médical sans médicaments breveté et prouvé cliniquement qui soulage les douleurs, les crampes et les gonflements, même en cas de diabète, d'arthrose et de varices. Voilà, je n'ai plus de douleurs qui m'empêchent de marcher et franchement, cet appareil m'a changé la vie. Marcher plus loin sans douleur. Dispositif médical sans médicaments en pharmacie et dans votre magasin d'électroménager.
Vous vous êtes déjà demandé à quoi vous ressembleriez avec 10, 15, voire 20 kilos en moins. Comme J'aime vous offre cette expérience inédite et incroyable. Scannez le QR code juste là et dans moins de 2 minutes, vous allez vous voir avec vos kilos en moins. Je vous montre, c'est ultra simple. Vous rentrez vos informations, vous choisissez le poids que vous voulez perdre et voilà, vous découvrez votre nouvelle silhouette. Allez, scannez vite ce QR code et découvrez votre future silhouette ou rendez-vous sur comme-j'aime.fr. comme-j'aime.fr. C'est important, .fr. Jusqu'où iriez-vous pour éliminer les mauvaises odeurs et garder une maison accueillante? Heureusement, il y a plus simple. Nouveau Airwick Active Fresh, notre premier spray automatique sans gaz. Un parfum avec des huiles essentielles d'origine naturelle pour jusqu'à 70 jours de fraîcheur. Nouveau Airwick Active Fresh 24h sur 24. Secret d'histoire hors série événement sur le sacre de Charles III et la saga des grands souverains d'Angleterre en vente actuellement chez votre marchand de journaux. Quand on a du mal à avancer, savoir que l'on peut compter sur quelqu'un pour nous aider est important. Comme nous savons que la douleur peut survenir n'importe où, nous avons développé Doliprane Liquis 500 mg, un format pratique à emmener partout pour mieux soulager vos douleurs légères à modérées. À vos côtés contre la douleur. Ce médicament contient du paracétamol. Attention au risque pour le foie en cas de surdosage. Nous portons certaines tâches avec fierté. La sueur, en préférant prendre son vélo. La boue, en prenant soin des plus fragiles. C'est pourquoi Skip existe et lance sans doute la meilleure capsule jamais créée. La combinaison unique d'un emballage sans plastique, d'une rapidité de dissolution inégalée et d'une formule plus responsable pour un résultat imbattable et sans résidus en cycle court et à froid. Skip, plus dur contre les tâches, plus doux pour la planète. Pour le moment, le montant de la cagnotte d'Hervé est de 950 euros. Il aborde ses mots de la fin avec le sésame. Je vous pose donc la question. Sachant que la liste ATM aujourd'hui porte sur les instruments de musique, vous souhaitez jouer sur la liste classique ou la liste ATM? Oh, on va faire la liste ATM, ça m'inspire, les instruments de musique. La liste ATM? Oui. C'est 50 euros par mot que vous allez trouver. C'est pas grave. On est d'accord. Que si je ne trouve pas le reste. Bon, eh ben, on va partir sur la liste ATM. Instruments de musique pour Hervé. Le chronomètre à 2 minutes et le premier tirage pour trouver un 7 lettres. Top ! Guitare. 50 euros. 8 lettres. Batterie. 100 euros. 9 lettres. Accordéon. Ouais, 150 euros. 10 lettres. Vibraphone. 200 euros. 7 lettres. Ah ouais ? Jambourin. Jambourin, non. Non, Jambourin. 8 lettres. Au bois. Oui, 250 euros. 9 lettres. Saxophone. 300 euros. Et 10 lettres. Clarinette. Et la clarinette. Il en reste 1. 7 lettres. Oh. On va tenter le tambour. Vous tentez le tambour? Allons-y, soyons ouais, fous. C'est bon. 400 euros, bravo, carton plein, les 8 mots ont été trouvés. Vous jouez d'un instrument ou pas, Hervé? Non. En aucune façon. Non. Bah, ça, en même temps, en tant que sosie officiel de Michel. Oui, il chante. La musique, déjà. On connaît un rayon. C'est ouais, ça, ouais. C'est ouais. Ça. Et hop, on en remet une couche. Ah bah oui. Qui joue d'un instrument de musique, Stéphane? Du pipeau, moi. Ouais. Ouais. Non. Non. Aucun musicien. Ouais. Non. Je suis le seul, un peu de guitare. Je vous l'avoue. On a encore du temps? Non, une minute. Amenez une guitare pour Laurent. Avec Hervé au chant. Hervé Sardou au chant. Pas maintenant, j'ai une bon. Origine de gorge. Bravo en tout cas pour cette nouvelle victoire. Vous avez tiré les leçons aussi des quelques erreurs que vous avez pu commettre aujourd'hui, notamment sur le duel d'orthographe. Oui, je suis bon, ça va, vous avez bien stabilisé, bien récupéré la situation. Ça a coûté cher. Oui, oui. Mais, je suis voilà. Ah, mais il est comme ça, Hervé. C'est bien, on s'est tendu en final. Il est dynamique, il y va. Une étape importante la prochaine fois, Hervé. Ce sera votre cinquième match. On vous souhaite le meilleur, donc forcément une victoire. Et après, vous le savez. Vous aurez le choix de continuer ou pas en direction des 10 victoires, sachant que les gains que vous accumulerez ensuite à partir de la 6e victoire, ça sera mis en réserve. Vous avez une petite idée de ce que vous déciderez ou pas? Je pense que je continuerai, je pense. Ouais. Ouais, je pense. C'est toujours on est bien ici. Le plaisir de jouer. Bien, franchement. Oui, je continuerai. Bon, eh ben, très bien. Ah oui, vous avez le temps joueur. Vous avez le temps joueur. Très joueur. C'est ça. Je sais que de toute façon, il y a un futur adversaire qui va vous rejoindre.
qui est plutôt d'un bon niveau. Donc on va faire étape par étape. Merci de remonter le moral. J'essaie de vous motiver un petit peu, Hervé. On se retrouve avec vous, Hervé, pour votre cinquième match la prochaine fois. On vous souhaite de passer une très belle fin de journée. À très vite sur France 3. Merci.